Boisson Thibault pour les infos du sport. Chacun supporter de Jurassic. Alors, est-ce que tu es content que Jurassic a gagné? Ouais, encore. Et encore, oui. Content? Alors, ah, pour oui. Le 8e tour, alors? Ouais. Ah, c'est bien, hein? Ouais. Eh bien, je te remercie. À plus. Boisson Thibault pour les infos du sport. Chacun supporter de Jurassic. Alors, quel est ton sentiment après cette belle victoire 2-0? Ben, cette belle victoire, ben, ça a été très dur, quoi. Hein? Voilà, ça a été très dur. On a gagné, mais très dur. Alors maintenant, au 8e tour, vous pensez tomber qui en... Une grosse, si c'est possible. Un gros comme qui? Ben, je sais pas, qui c'est qui? Cochon? Ouais, peut-être, pourquoi pas. Eh bien, je te remercie. Allez. Bon sentiment pour les amis du sport, je suis le président Bourguignon. Alors, quel est ton sentiment après cette défaite de Ozao face à Jura Sud? Ah, il y a eu une belle prestation des deux équipes, le plus fort l'a emporté. Ça nous permettra à nous de nous concentrer sur le championnat, il faudra vite avaler la défaite. Et je souhaite que Jura Sud aille le plus loin possible. Maintenant qu'ils sont éliminés, il faut qu'ils aillent au moins en 32e. Eh bien, c'est bien. Alors, bon, Pontarlier, une équipe de votre coupe, s'est fait éliminer aussi par les pénales. Je ne savais pas. Alors, ça, par contre, la Coupe de France, ça veut dire qu'ils seront aussi concentrés pour revenir dans le championnat correctement. Parce que la Coupe de France permet... une évasion des joueurs, au moins psychologiquement, d'un coup, enfin, eux vont se concentrer aussi et nous, il faudra aussi parce que pour pouvoir atteindre l'objectif du maintien. Eh bien, je vous remercie, président. Bonsoir Thibault pour les inconnus du sport, chaque coach de Vauvelin. Alors, quel est ton sentiment après cette défaite de 2-0 face à Jura Sud? Une logique. Voilà, le sentiment j'ai, mais bon, pas trop de regrets. Dans le sens où Jura Sud était supérieur à nous. On a manqué un petit peu de folie, je pense que c'est tout. Après le reste, ça s'est fait un petit peu sur les détails, la technique, quelques gestes aussi un petit peu malheureux, des décisions au niveau de la finition qui n'étaient pas souvent, on va dire, la bonne. Alors bon, maintenant, Pontarlier s'est fait éliminer aussi par les pénales. C'est un de vos concurrents dans votre groupe de championnat. Bon, maintenant, il faut se concentrer sur le championnat. Oui. Oui, c'est le pain quotidien, hein. Le championnat, de toute façon, c'est ce qui nous fait vivre, on va dire entre parenthèses, plutôt le club. On va être dès mardi l'entraînement à 100% pour le championnat pour aller à Besançon samedi prochain. Eh bien, merci. Bonsoir Thibault pour les impôts de sport, je suis le président du Jura Sud. Alors, quel est le sentiment après cette belle victoire? Bah écoutez, on est bien contents, même si le match a été stressant jusqu'au bout. Malgré tout, bon, on s'est imposé, donc on continue l'aventure, c'était le principal. Dans les matchs de coupe, on sait très bien que le principal, c'est de penser les tours. Alors, premier Franc-Comtois qualifié, Sochaux, on ne sait pas, Pontarlier éliminé, et peut-être Clémenceau, on ne sait pas non plus. Non, ben oui, on ne sait pas le résultat de Clémenceau, mais bon, la hiérarchie est un petit peu respectée, on attendait Sochaux, il est là. Jura Sud, ben, ma foi, on est à supérieur hiérarchiquement, donc on a réussi à passer. Voilà, pour Tarly éliminé, la hiérarchie aussi était respectée. Bon, ma foi, je pense que voilà, on attend maintenant le tirage mercredi pour voir la suite. Boisson Thibault pour les inconnus du sport, je suis l'entraîneur de Jura Sud. Alors, sentiment heureux après cette belle victoire? Ouais, très, vraiment très heureux pour les joueurs, pour l'ensemble du club. Voilà, une belle performance. Vauvelin n'avait pas perdu chez lui depuis le début de saison. Donc, c'était un match difficile, mais on a su le maîtriser du début jusqu'à la fin. C'est vraiment une belle satisfaction de se qualifier pour le 8e tour. Alors maintenant, le tirage mercredi avec son Provence, t'attends quoi comme équipe? Peu importe, c'est vrai que j'aimerais bien jouer à domicile, mais si on peut avoir un petit, peut-être voilà, pour passer ce 8e tour, aller en 32e, je pense que tous les joueurs et tout l'ensemble du club souhaitent passer ce tour. Voilà, de toute façon, souhaiter quelque chose de spécial, généralement on se trompe, sachant qu'on ne connaît pas les groupes qui seront faits actuellement. Donc, laissons faire le sort, mais surtout savourons cette belle victoire. Merci. Bonsoir Thibault pour les Jeux du Sport, chacun joueur de Jura Sud. Quel est ton sentiment après cette belle victoire face à Vauvelin? Une grande satisfaction tout d'abord de se qualifier ici.
avec un contexte qui est toujours, toujours particulier, un terrain qui était aussi délicat, mais on a su rester sur notre ligne directrice, sur le principe du jeu. Et de marquer le premier but déjà, c'était une bonne chose. Et puis en fin de match, de tuer le match avec, en mettant ce deuxième but sur penalty, ça nous a assuré, on va dire, nos arrières et on a pu finir le match un peu plus sereinement. Alors maintenant, le tirage mercredi qu'on commence. Maintenant, qui c'est pour y tomber? Disons que déjà c'est Aix-en-Provence, donc c'est ma ville de cœur, ma ville natale. Donc j'espère que ce sera un bon tirage pour nous. Et on espère, pourquoi pas, créer l'exploit contre une équipe de niveau supérieur. Ce serait déjà super intéressant pour nous. Merci.